À Gennevilliers, dans le quartier Brenu, le projet de renouvellement urbain prévoit la démolition d'une barre de 166 logements et la reconstruction de logements sur site. Suite aux inquiétudes exprimées par les locataires de France Habitation à l'équipe de proximité du bailleur, tels que le gardien, le manager de proximité, ainsi que l'association Femmes Relais, qui occupait un local commun résidentiel sur le quartier, mais aussi l'antenne de quartier Brenu, il apparaissait important de mettre en place un projet permettant d'impliquer les habitants sur les transformations de leur quartier. Les opérations de démolition-reconstruction peuvent en effet être vécues comme un traumatisme pour les habitants. Le projet Mémoire, Brenu au fil du temps, avait donc pour objectif de donner une dimension humaine au projet de rénovation urbaine, à la fois en permettant aux habitants de contribuer à garder la mémoire du quartier et à la transmettre aux nouveaux arrivants, mais également en favorisant la réappropriation du quartier par les habitants à travers une approche artistique. Dès novembre 2017, le projet Mémoire de Brenu a démarré avec les partenaires locaux, Brenu au fil du temps. Le premier volet du projet consistait en la récupération des éléments des anciens logements pour en faire des objets transformés pour les nouveaux logements. Le deuxième volet avait pour objet de retranscrire la parole et les écrits des habitants. La compagnie, sans la nommer, Association Gennevilloise de retranscription de l'histoire de Gennevilliers, a été missionnée pour cette partie du projet. Tesnim, 17 ans. 12-13 ans que tu es dans ce quartier. Bon, en fait, j'habite pas dans Brenu, j'habite à côté. En fait, c'est un bâtiment qui est collé à la résidence, en fait. C'est quand même Brenu pour toi? Oui, c'est quand même Brenu. Hein. C'est le quartier Brenu, quoi. Et tu dessines quoi, là? Là, je dessine un petit terrain avec des petits jeux, le bac à sable, des petits fleurs, un ballon de football. Si ton quartier était une couleur, ce serait quoi? Plutôt clair. Par exemple, bleu, vert, clair. Bah, c'est joli et c'est... On peut symboliser que c'est aussi du bonheur ou de la joie plutôt. On se faisait des batailles de bac à sable, on faisait des châteaux, on faisait n'importe quoi, on sautait dessus, c'était drôle. Quand je m'amusais avec mes amis, même des anciens amis qui sont partis aussi. Pourquoi tu dis ils sont partis eux aussi? Parce qu'ils ont déménagé.